Chinese history be like. Chao Ling takes power. 247 million perish. European history be like. Triggering a war between King Juan Jose Maria Rigoberto, Huacacat, Santo Domingo de la Diabetico, and Pierre Chelesopre. Establishing the Grand Duchy of Neue Uxtenberg, a tax haven with a population of 16. Dis-moi, tu sais pourquoi les Belges y courent après les cochons avec des haches? Pour se faire des tirelires. Bon, allez, on va commencer avant que je me mette à refaire l'accent belge étant donné que je sais pas le faire et que je fais un similier accent alsacien à la place. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier. Comme d'habitude, bienvenue dans ce petit épisode. Aujourd'hui, SAFN. Grosse frite. Yeah. Oh, c'est bon les frites. Avec une petite montagne de caviar. Non, je ne sais pas faire cet accent. Le SAFN pour semi-automatique. Ça va sans dire SA. Semi-automatique. Conçu par Dieudonné Sève ou Saïve ou ou Save, je sais pas. Le papa du GP35 et du FAL. Le SAFN49. Celui-là aussi, c'est une gueule. C'est d'ailleurs assez dingue, hein. Le SAFN49 présente une petite... une petite particularité qu'il a en commun, notamment avec le Hakim, que vous avez déjà vu sur cette chaîne de nombreuses fois, car je l'aime. C'est un court recul d'un long piston, avec un petit emprunt de gaz à l'avant, comme ça, réglable, exactement comme sur... si ce n'est qu'il est vachement plus à l'avant que le Hakim. Le Hakim, il est là. Globalement, c'est un peu la même chose. Vous aurez remarqué sur le gros plan que j'ai fait avant, il a un grand B sur le tonnerre. C'est tout simplement Baudouin, car Baudouin devient roi des Belges en 1951, je crois, mais confirmez-moi, je ne sais plus. Avant, c'est un L, donc c'est un Léopold. Et apparemment, alors il y en a qui disent qu'il n'y a aucune différence entre les deux, il y en a qui disent qu'il y a quand même des petites différences mineures entre le Baudouin et le Léopold, alors j'en sais rien. Enfin franchement, je sais pas grand-chose de ce dingue. Je sais que le proto de ce truc était à peu près prêt en 1937, qui fonctionnait à peu près sur le même principe, mais que évidemment l'arrivée des combats quelques temps plus tard arrête la totalité des recherches. Sève se barre en Angleterre parce que définitivement les Belges ça a aucun goût, pour bosser à Enfield sur un prototype qui s'appelle le Slem One Slem, S-L-E-M One S-L-E-M, pour Self-Loading Experimental Model. Un truc dont j'ai jamais entendu parler avant maintenant, en fait, et qui de toute façon ne donnera absolument rien puisqu'il n'en sera jamais construit. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Faut bien s'occuper pendant que le plat pays devient encore plus plat sous les chars et les bombes.
C'est fini apparemment le concept de ce machin en 1944 et c'est terminé, construit en 1947. À partir de là, il armera évidemment les forces belges pendant beaucoup de temps puisqu'il ne sera remplacé que par le Fall. Et apparemment donc beaucoup d'autres armées puisque... j'ignore comment, mais il a été conçu apparemment pour s'adapter pas mal à plein d'autres cartouches réglementaires du marché. Pour l'instant, celui que nous avons en main, c'est un 3006 en C1A, 2 plus 1, parce que, encore une fois, vous me ferez pas croire que vous voudrez ça en C1B, 10 plus 1, ce serait de la grosse merde. Alors, la question c'est, est-ce qu'il va essayer, tenter de me bouffer le doigt, la main et tout le reste? Si là, tout de suite, je lui mets une carte... Ah non. Donc ça, ce sera un arrêtoir de... Non. La réponse, c'est non. N'essaie pas. Ce qui est extrêmement bizarre. Je vais quand même le retenir, on sait jamais, hein. Comme je ne suis pas complètement siphonné du bulbe. D'accord. Et donc là, on ne peut pas en mettre une de plus. Ce qui est assez logique. Puisque c'est une C1A. Allez, testons ça. C'est une culasse extrêmement vive, hein, rapide. Alors, donc, il y a une sûreté qui est là. Je déteste les sûretés dans le pontet, putain. Eh ben, extrêmement agréable. Alors, par rapport au Johnson, c'est incroyablement agréable. Parce que, enfin, là, la 3006, on la sent pas des masses, hein. Là, j'aurais l'impression de tirer une 708, et encore, hein. Oh, tiens. Oh, très, 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 très agréable, ça. Mais dites-donc, les inventeurs de la frite française, apprécieraient-ils les bonnes armes? Incroyable. Alors, apparemment, ce modèle a connu le 757, exactement comme le Johnson, d'ailleurs, Je suppose que c'est exactement la même armée. Le 765 Mauser, donc le 765 Argentin. Et le 857 Mauser. Le 792 par 57. Ça me fait frétiller là où il faut. Rien que cette idée. Et évidemment, le 3006 Springfield. Donc, ça fait 1m12 pour 4,31 kg. Ça va. Moi, je trouve ça raisonnable. Avec, c'est marrant, un bout d'architecture quand même de Mauser, notamment avec ce renfort ici qui est typiquement allemand. Ce garde-main fait très français. Un magasin. Alors, ça n'est pas un chargeur, c'est un magasin de rôle. Évidemment, là, je pourrais pas l'enlever. Mais apparemment, il était très chiant à enlever. Il s'approvisionnait par-dessus. Donc, ça n'est pas un chargeur. C'est un magasin qui, comme celui du Schmitt-Rubin, peut s'enlever. Mais vraiment, lors du démontage et du nettoyage, quoi. Allez, on va retester un petit coup. Ça me booste un peu, ça. C'était quoi ce long feu de malade? Qu'est-ce que c'était que ce longo fuego de malado? Ce sont des cartouches neuves, ce sont des fioquis qui sortent tout juste de la boîte, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est normal. Ça aussi, et j'ai tué la cible, manifestement. Non, c'est très agréable, vraiment. C'est assez agréable, on va s'en refaire deux coups. Parce que, hein, pourquoi pas. Là aussi, hein, un petit long feu, hein. Ça me plaît pas trop, cette histoire. J'ai encore tué ma cible. Cible, non, reste avec nous. Reste avec moi. Vie. Pense à tes enfants. C'est bon, la cible est vivante. Alors, cette sûreté de merde. Je vais quand même pas aller relever la cible tous les coups, s'il vous plaît.
Bon, donc c'est une arme effectivement assez agréable à tirer, vraiment. Ouais. Je reconnais, j'en sais pas grand-chose. Je suppose que pour les tirs compètes style tar et compagnie, c'est absolument pas adapté. Mais moi, je la trouve assez agréable. C'est pas trop lourd, ça pioche pas trop. La culasse est sympathique et vraiment, le recul est super doux. Vraiment super doux pour une 30-06, c'est incroyable, quoi. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, à noter que le SAFN a connu une version automatique, le AFN. Moi, je trouve pas ça trop déconnant. Alors, effectivement, oui, T'en tires, je sais pas, 10, au bout de la troisième, tu tires 25 mètres au-dessus de la cible. Mais, bon, avec le bon bipied ou la bonne attache au sol ou bon machin, moi, je trouve pas ça trop désagréable, franchement. Ça va. D'autant que, apparemment, Sev était un disciple de John Moses Browning, ce qui expliquerait, par exemple, une envie de faire un truc automatique du style bar dans le même calibre, avec globalement la même capacité. On sait pas, hein. Alors, très très globalement la même capacité. On se détend. Au fait, je suppose que vous savez ce qu'il faut faire si un Belge vous lance une grenade. Vous la dégoupillez, puis vous lui renvoyez. Donc globalement, il y a eu 175 000 SAFN et AFN de fabriqués. Il se trouve que la Belgique n'en a eu que 50 000. Les 125 000 autres ont été livrés à des pays tiers, dont, truc marrant, la République démocratique du Congo. Quand on connaît l'histoire commune du Congo et de la Belgique, c'est étonnant qu'ils aient voulu leur livrer des flingues, vous voyez. Enfin, je sais pas. Moi, quand je coupe les deux mains de mon voisin, j'évite de lui livrer des flingues. Après, alors certes, il peut plus s'en servir, mais bon, il trouvera bien un pote pour le faire, quoi. Un peu chaud, quand même. Il se trouve que les SAFN ont quand même connu des terrains d'opération assez gratinés, notamment la guerre de Corée, la crise évidemment du Congo, la crise de Suez, la guerre civile dominicaine, la violencia, enfin bon bref, des endroits assez gratinés quand même. Hein. Écoutez, on aura vu ce SAFN, je dis pas forcément que ça me fait frétiller l'Uranus, voyez, mais bon, ça touche un peu mon Neptune. Bref. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, mangez des frites et buvez de la bière, car le Manneken Pirix arrivera très bientôt pour vous pisser dessus. Et ce serait dommage de ne pas en profiter avant. Ciao, amusez-vous bien. La violienne.